Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre grande émission que demande le peuple, votre nouvelle émission d'aujourd'hui, nouvelle dirais-je. Aujourd'hui, nous avons reçu dans ce plateau nos deux invités, ils sont là. Nous avons de l'autre côté M. Dominique Condé et de l'autre côté, nous avons M. Lobo Levinst avec qui nous allons débattre autour de nos trois sujets. Kaka Ndenge Boyokaki, Noël Tiani, Anonsaki, marche de l'Oba Congolais, nous sommes là, descendre sur terrain, pour battre les accompagner, dans le cadre qui a suivi à loin, il y a eu un proposé, qui a le père et les mères, Oyo, Boyokaki, Bongo, Malamou, alors deuxième protocole de la paix, sur le militant de Kabound qui sont arrêtés suite à la marche qu'ils avaient organisée pour demander la libération de leur leader. Et troisième point, la mission Togolo Belassir, la suspension de William Nkambila, au Azali, qui est un conseil à jeunesse. Alors, je suis en train de me dire que du côté droite, nous avons M. Dominique Kandé et du côté gauche, nous avons M. Lobo Lievin. Nous commençons tout d'abord par M. Lobo Lievin. Bonjour. Bonjour, M. Lobo. J'ai un réel plaisir de vous recevoir dans ce plateau. Merci, moi et ok, voilà. De l'autre côté, M. Dominique, bonjour. Merci, bonjour, cher journaliste, et merci pour l'invitation. Ok, merci Ndeko. Alors, Tobandabongo, Namae, Oyo, Italie, Jean-Marc Kabound. Est-ce que Jean-Marc Kabound domine-t-il les pouvoirs actuels ou les régimes actuels? Parce que Tomoni Bongo, militant Naïe, va effectuer descendre dans le siège d'Abango, puis Basali Bongo dispersé par les forces de l'ordre, de Beni Bongo, la police. Quant à vous, selon vos analyses et les imaginations que vous avez dans contre les UDPS, tout le monde que nous Jean-Marc Kabound a dominé le régime actuel. Ça c'est très fort pour le bas que nous Jean-Marc Kabound a dominé le pouvoir actuel. Non, ce n'est pas ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Marc Kabound a même la position, ça même pas une année. Depuis dans la boulot, il y a une année. Et vous avez vu que non. Juste, il faut mettre l'ordre. Vous avez vu que non, il y avait une marche qui a été organisée le samedi de l'opposition. Fayoulou, Matatampoyo, Bazala qui vraiment Bazala qui est autorisé par le gouverneur de la ville province à Kinshasa. Et les lots, marche, et c'est là qu'il y avait des marches à Noël Tiani pour la proposition et la loi. Bon, il y a déjà des gens qui ont parlé, mais non débattu. Bon. Oui, mais pour éviter un peu certains incidents, il y a une autorisation des états qui ne sont pas Noël Tiani pour la marche à l'élo. Et on ne peut pas vraiment organiser marche des marches à la fois et qu'on perturbe la circulation et ce n'est pas bon. Il y a un combat qu'on veut être dedans. Ce qui est sûr, parce qu'il y a une autorisation. Mais on ne peut pas faire autorisation pour la marche à l'élo et j'ai dit Noël Tiani. Et on doit mettre un peu parce que des fois, il y a une marche où on a. Et je conseillais ma Congolais, nous souhaiter. C'est pour un peu le militant de Jean-Marc Kabound à Kabound, mais je consultais ma Congolais, nous souhaiter. Et c'est pour cela, le nom de l'Angela qui n'a là, c'est Noël Tiani, et non Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Donc, toi, le Kabound, au tête de ville autorisée qui va militer, là, on va marcher. Bah, je vois qu'autorisation, t'es. Là, vraiment, si peut-être donc, vous êtes journaliste d'investigation, mais j'ai autorisation au Nanaébi, et j'ai eu autorisation au personne de Konoé, qui a dit pour la marche, il y a un Konarelo. Mais pour la Kabound, on a mis dedans. Kabound, jamais Kabound ne fait pas peur de cette administration. Okay. Je parle de l'administration et du régime. Parce que le régime, déjà, style, moi, Mindel va imposer une mission pour le pays. Non, on n'a pas une administration. Administration. Voilà. Mais nous avons une administration. Tout à coup, tu vas faire un petit peu de temps.
toi qui es là, vérité, désir et tout ça, les lois sont qui. Allez comprendre la médiocrité aussi des gens politiques congolais. Ok, mais quand tu parles des hommes politiques, tu fais des gens, tout le monde va dire. Oui, mais il y a juste à dire que non, l'idiotie et le blouérisme même. Le blouérisme. Ça, c'est le mot du jour. Pour prendre les images, je vis comment est-ce que ces gens-là ont été menacés. Alors, quant à vous, dans un pays où la démocratie règne, on peut-il avoir ce genre de pratiques? Effectivement, dans un pays où la démocratie règne, ce genre d'attitude-là n'allait pas vraiment être visibilisé comme nous l'avons constaté dans notre pays, et nous déplorons pour ça. En fait, les actes que la police nationale congolaise venait tout à l'heure là, de commettre à ces militants de Jean-Marc Kabound, c'est implorable. Et nous déplorons ça, c'est ce que nous... L'IDPS à l'époque était à l'opposition. C'est ce que l'IDPS déplorait à l'époque l'IDPS était à l'opposition. Mais lorsque l'IDPS arrive au pouvoir et nous constatons que non, le même bêtise que l'IDPS implorait, lui-même l'IDPS commence encore à matérialiser ça, c'est vraiment très... Il y a un monde là qui... qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin, va patienter, va tout, va manifester pacifiquement. Et c'est ça vraiment qui est très vraiment nécessaire. Ainsi, dans l'Ina Salal, ils sont au Kabound. Les militants de Kabound aussi, lorsqu'ils commencent à manifester, on leur accorde parfois les droits de manifester, mais ils commencent à chanter des chansons hostiles à l'endroit du chef de l'État. Selon les informations qui sont en possession, Est-ce que c'est pas parce qu'on ne les avait pas donné le feu vert au niveau de l'hôtel de ville, parce que y avait-il, il semblerait qu'il y avait des marges à voir. De l'autre côté, tu as dit Noël Tiani, où il y a des propositaires, il y a une loi portant sur la Congolité. Où est-ce là, où il y a des moins trop, toujours qui peut te rencontrer dans la pointe. Mais il y a un monde, ça dit que non, pas pour empêcher, où il y a Kabound, où besoin d'autorisation. Non, pas où il y a Kabound, le secrétaire a parti à Jean-Marc Kabound, il y a besoin d'autorisation à l'hôtel de ville. Le secrétaire a dit que non, besoin d'autorisation à l'hôtel de ville. Donc, on est au Dominique à l'hôtel, c'est pas vrai. En fait, je ne peux pas dire que c'est pas vrai, mais sinon, c'est que moi j'ai suivi, le secrétaire du parti de Jean-Marc Kabound a dit que non, ils avaient accueilli l'autorisation de manifester. Alors, lorsqu'ils sont protestés, on les a contrés pour ne pas manifester leur mécontentement portant sur la libération de leur président qui reste encore dans la prison centrale. Quant à Yo, et tant qu'analyste politique, Yambo Karayo, système Wana, Bokoi Kolobanin, quel est votre mot de la fin comme ça pour nous voir la situation? En fait, pour moi, la Lingala Libye, c'est la militaire qui est partie à Miliko, Jean-Marc Kabound, qu'il parte seulement saisir la justice. Okay. Parce que la manifestation, c'est comme s'ils font la pression aux politiques. C'est ça. C'est comme s'ils font la pression aux politiques, alors que le politique n'est impliqué ni de près ni de loin à l'arrestation d'Indeko Jean-Marc Kabound. Merci. Merci Indeko Levin. Merci Indeko Levin. Tous on appelle Potoyo, Tolobela, Moukie, Loa Tchani. Lelo Tomoni Bongo, Indeko, Tchani Abenga qui va te bélé. Comment Oyo, dans ce carabino qu'on m'a cassé, comment Ezali, mon aîné, tant que Ezali, la qui s'avait dit, nous sommes sapis, et bien, nous sommes sur Ezali, nous sommes là. Tout le monde, Noël Tiani, a bien dit, il y a un bel et l'on a qui est suivi dans ma cambo, il y a loin d'un gars qui porté sur la Congolité. Du coup, tout le monde a un petit, qui a un peu de bête, mais pour la carte à fond de Dominique, tout le monde a un peu de musique dans ma cambo. Ezali, qu'on a la popularité, ou bien.
Merci de le fait de marcher, ce n'est pas ce qui va enlever le caractère infractionnel. Tout ça se passe au niveau de la justice. Et c'est une ligne à l'allégation au Jean-Marc Kaboun. Alors, bah, quand la résidence est dans Tungabwa, et c'est une ligne à démontrer à moi, et pas bah, juste que non, voilà, on a le baptiste, voilà des preuves. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas question, il y a continué d'avoir là qu'il y a un élève à manifester, ce n'est pas ça qui va un peu enlever le caractère infractionnel. Et autre chose, la liberté d'expression, la démocratie, ce n'est pas un désordre. Nous sommes tous, tu es de l'opposition, tu es de la majorité, nous sommes tous en dessous de la loi. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça. Maintenant, ce qui se passe, j'ai vu moi-même, j'étais aussi là. J'ai vu comment le militant de Jean-Marc Kaboun est en train de jeter les pierres aux policiers. Mais ce sont les mêmes policiers qui sont venus pour vous sécuriser. Mais qu'est-ce qui a commencé avant que le militant puisse réagir? Parce que là, il réagissait. Après avoir arrêté, parce qu'il ne faut pas qu'on déforme l'information. Il faut que les faits sont sacrés. Militant, il y a une alliance. Mais ce n'est pas les actes que moi je peux applaudir. Je les condamne, bien sûr. Mais il faut aussi dire à la population qui nous suit partout dans le monde que ceux qui sont militants, ils sont les gens qui sont en train de se libérer. Allons-y. Je profite à cette occasion pour dire que c'est ma autorité morale. Je veux passer à l'école du parti. Parce qu'un policier n'est pas un fou. Et il faut féliciter un peu. Nos policiers actuellement, avec l'administration de Félix Tshisekedi, il faut le féliciter parce que le logis c'était à l'époque où nous avons 10 morts, 20 morts. Et puis le salaire de ma banque, je l'ai compté à moi. 10 morts, 20 fois qu'on. Compté à l'an de Noël Tshani. Donc Noël Tshani, ce n'est pas question de tout ça. Donc on a dit que nous avons un cambolon, on a dit que nous avons un cambolon. Déjà, les cambolons, déjà, Tshani n'a pas félicité parce que. Le logement de Vatican dans Moutou Yaba Congolais ne peut être président de la République Congolaise des pères et des mères. Et j'allais, madame, je ne peux pas co-sécuriser l'intégrité nationale. Et j'allais, moi, je vais apporter quelque chose dans le cas de Yamboka. Pourquoi ? Au début de quoi ? Le fait que vous avez un étranger à la tête du pays, vous allez subir, Makamo, toujours subir les lois d'insécurité dans l'Est. Et aussi, nous avons un problème au sein de l'armée, par l'infiltration. C'est parce qu'on était dirigé par un monsieur dont l'identité était douteuse. Qui? Je n'ai pas cité le nom d'une personne. On était dirigé par un monsieur dont son identité était douteuse. Laquelle? Quelle identité était douteuse? Tant dans le bon, bah, Congolais, bah, on a dit sur l'Andar, bah, déjà. Et vous avez vu que non. Tokuta qui va le chef d'état-major rwandais, la institution, donc c'était l'infiltration généralisée. Mon frère, maintenant il y a la différence entre maintenant un Congolais des pères et des mères et un Congolais né dans le sol congolais. Pourquoi? Un Congolais né dans le sol congolais, c'est-à-dire il y a question, ce que nous appelons en latin, ius sanguini et ius soli. C'est-à-dire, un Congolais parle les sangs et un Congolais est dans les sols congolais. Il y a maintenant la différence. Tant que le Congolais a beau mais un Congolais de père et de mère. Il y a un Congolais, mais un Congolais par acquisition. Mais c'est ça que l'article 11 de votre constitution les octroie, ce pouvoir. Mais on n'octroie pas le pouvoir de postuler le président de la République. Allez lire pas cet article-là. Si vous avez la constitution, on peut lire pour que non, bah, téléspectateurs, tout éclairé par nous. Il y a un temps, voilà, a commis mon conscient, un Congolais qui n'est pas des pères et des mères. Il est prêt à tout, à consacrer à nos sous.
C'est différemment avec un Congolais de père et un Congolais. Lorsque ma mère Koninga est en train de me faire, mais Koninga est en je ne peux pas faire du mal à mes frères et sœurs. Par rapport avec un Congolais par réquisition qui vient, pour passer un mandat, n'a jamais la nationalité dans le régime. Pour passer un mandat comme un président de la République, et tant que vous commencez ici, quand on a dit, il y a des scandales. Et vous avez vu que je suis ma chef d'état-major, infiltration dans l'Est, moi, dans l'institution, je suis abandonné par-ci, par-là. Et vous avez vu. Et c'est là où maintenant la différence. Et nous soutenons, malgré de participer à la marche, mais nous soutenons la proposition des lois des pères et des mères. Ok, merci Ndeko. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez vraiment dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que est-ce que, pour la loi, il y a un tchani, tout le monde a eu la puissance de la loi, très élevé, tout le monde a eu la puissance de la loi sacrée. La loi a eu la puissance makasi la loi, quand vous avez dit sacrée. Avant, quand vous avez dit que vous avez dit il y a période Oyo, où tu commis au Kende, et la période Yamakonani. Il y a a proposé loi Wana pour et prendre en vigueur avec une grande considération. L'avantage d'une Sali, tant que vous avez la loi en importance et la congolité, parce que on est en train d'assister surtout à la gestion d'un fils digne du pays, au Bobin Félix Antoine Tshisekedi. Quelles sont les avancées que vous avez déjà constatées vous-même, Oyo? Nationalité douteuse, salaté. De côté, aux autres, la gestion de Félix Tshisekedi, la gestion de l'autre, après l'indépendance, il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Félix Tshisekedi n'a pas mou la mikio à Sali, quand même à Sali, Makambo Oyo, surtout dans la démonstration, dans la concentration, dans la Makambo à l'Italie, est en Boka, aux autres, on a Félix Tshisekedi à Sali Ming. Quand est-ce que la Bounagan? Bounagan a étudié juste là occupé, mais sinon. Juste là occupé. Maintenant, pourquoi tu as reformulé le terme en français comme jusqu'à là? Il faut nous prouver que non, Bounagan est libéré, il y a la paix totale. Parce qu'on parle de la paix lorsqu'il y a l'absence totale de la guerre. D'ailleurs, c'est à cause de cette infiltration que Bounagan a jusqu'aujourd'hui toujours occupé. Le monsieur Jean a dit, il faut se le signaler. Parce que si aujourd'hui notre armée était une armée dissuasive, une armée offensive, Bounagan n'allait pas subir cette sanction-là d'être fixée parmi les territoires grands de Guillaume que nous entendons que non, le Rwanda avait fait le mixer de son territoire. Qu'ils appellent infiltration. Donc, si on a compris bien la solution dans des problèmes congolais, Isali. Nakati ya makambo to bengi loi et le père et le mère. Loi et le père et le mère. Mais ça ne solution à la souffrance à la congolais. Il y a un écho résoudre la plupart de makambo au peuple congolais. Pour souffrance, mingi les sous-journalistes, il faut y avoir souffrance qui est associée au peuple congolais et zouta mingi les sous-nabitoumaest. Le gouvernement est tenté de mobiliser nombreux moyens particulièrement financiers pour la corruption sa makambo habitoumaest. Makao, bidjo, ana, bidjo, bazo lancer mingi na côté à Eswana, yingaki. Et quand dans le secteur de la vie sociale, pour le gouvernement et s'améliorer maintenant. Le gouvernement est en train de mobiliser les moyens. Dans ces moyens-là que le gouvernement est en train de mobiliser, il prend une grande partie pour la consommation de la palissade et de la députée. Là, le gouvernement est en train de mobiliser les moyens pour décanter la situation de l'Est. Ma palissade, je n'entrerai plus dans ces débats-là. Sinon, mon bébé, ce journaliste, c'est ce qui est dans Bitumba Est. Le Bitumba Est, ça a raté, mais les Congolais vont souffrir surtout. Mon cas, tu vas souffrir. Mon cas, donc moi, je comprends mon cas, sous Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi, mais il a juste hérité. Mon cas, il a juste hérité. Félix Tshisekedi, il a hérité. Mais l'espoir des Congolais était en lui. Non, l'espoir des Congolais, il faut que mes frères Congolais mettent de l'eau dans leur verre. Félix Tshisekedi, il faut amener ce pays très loin. Je suis sûr et certain que non, il le fera. Merci, Ndekoto, qui a fait bon mot. Alors, et tous, on a fait Koto, on a dit qu'on a dit ça. Bon, le problème, il y a pas Congolais. Aujourd'hui là, vous dites aux Congolais ce qu'ils doivent tenir les dits, pas ces civils.
Une armée détruite vraiment autant des années, dans 4 ans, a reconstruit à monter. Et vous avez dit que non, il y a sous embargo. Mais c'est grâce à la diplomatie agissante de son excellence, monsieur. Qui avait joué. Parce que lui-même, il a compris Nagate. Tant que Boninga Kako Wambeli, Makamuro, le chef de l'État, il n'a pas conscience. La conscience, c'est qu'il a lobby. Après avoir échoué à la diplomatie, voilà pourquoi donc il avait des options devant sa table, entre autres la diplomatie et faire la guerre avec les Rwandais. Après avoir parcouru la diplomatie et ça n'a pas tenu d'office, il a utilisé. Non. Volé de Mozalini. La diplomatie. C'est ok, on va répondre, il y a un volé des Alini. Parce que ça va être des points de vue sur sa table dont il poursuivait John Lane, qui était la diplomatie. Qui n'ont pas payé, avoué bon, par lui. Je ne peux pas dans le jeu un peu de certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre, qui ne comprennent rien, mais j'aimerais dire ceci. Nakati, il y a diplomatie. Il y a eu des résultats. J'ai tout sous embargo. Entre autres, tu crois que Mamadou quittait l'autre Sony. Mais j'ai l'autre jour, on a dit non, papa, je sais que Mamadou, dont je suis Mamadou, le point de sécuriser est un boca. Mamadou, que caution, Mamadou, autant de ma drone, de ma matériel, de sophistiqué, je suis dans l'est, on a pas de sécuriser, et Bayumboka. Vous voyez, de Konangaï, même si je sais développer des mines, le nom de la mandat, on a fait quelque chose, soit on a fait quelque chose, et moi, que je t'en prie, moi, que je viens de caution. Maintenant, dis-moi, les 18 années de Kabila, 18 années de Kabila, et de Shanghai. 18 années de Kabila et Sangaï, armée. Bounaga n'était parmi nos villes. C'est ce que j'ai dit ici. Parce que, elle aussi, a 18 années de Kabila, la même chose que Bounaga est là qui est toujours là. Elle est occupée par les Congolais. Maintenant, il faut comprendre, deux places pour ça la confusion. Deux places pour ça la confusion. Au moins, tout le monde a battu le clé, le roi, 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 Si c'est dire dans 6 mois déjà, je vais vous voir d'abord qui veut beaucoup de minerais, beaucoup de temps d'arrivée, je vais vous voir de grade, de généraux, de colonne. C'est ce que Kabila a fait. L'infiltration était généralisée. C'est ce que Kabila a fait. C'est normal. Parce que si le baron j'en ai, je continue à armer. Bon, ça n'est pas mon cas, je suis en boca, pour autant mon nom, basse-moi, piller tout ça, il faut n'importe quoi dans quel moment. C'est ça, le souci à la M23. Alors, de votre attention, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que Kabila a fait, n'a pas encore à Kenda pour signer. C'est ce que Kabila a fait. Excusez-moi, mon homme, depuis que j'ai un mot au Kabila, ma joie, les deux, les loups. T'as quand même d'avoir ça, ma tante, là, tu joues. Bah, surtout, au contraire, il n'y a pas d'opposition à l'RDC. Opposition commis Kagame contre Fati. C'est vrai. Alors, on a pas de déclaration à tout moment, c'est pour vous dire que non. Ton monde dit. Avantage à Tiané, j'ai pas la sécurité, mais toujours donc sécurité à Madame Nakatiambo. Est-ce que les Congolais ont-ils confiance à Tiané? Réponds-moi par oui ou non. D'ailleurs, il faut féliciter. Les Congolais ont-ils confiance à Tiané? Oui, les Congolais ont demandé pour ça. Aujourd'hui, il les a fait appeler pour la Nimbakéité. Il n'a pas réussi même à réunir. Attention, c'était juste pour soutenir c'est une marche. Pour protester contre l'augmentation des prix des biens et services. C'est une marche organisée pour la tribu Louba.
Organisé pour la tribu Louba. Oh. Oui. On ne fait pas des Louba, on ne fait pas des Louba. On ne fait pas les Louba en même temps. Maître de vos qui tombe qui est Louba, Nakatia ici. Mais dans l'émission que nous avons besoin de monter à partir. Ce sont des sous-traitants. Ce sont des sous-traitants. Arrête avec les tribalismes. Ce n'est pas les tribalismes. Ici, ça ne passe pas. Non, oui. Avec les tribalismes. Je suis en train de s'était passé. Moi, je ne suis pas Louba, moi, je suis mon peiné. Non, moi, je dis ça ne passe pas. C'est que j'ai dit que non, ici, il n'y a pas question de tribalisme. Mais je vous dis ceci. Je n'ai jamais vu l'une des personnes dans l'opposition chanter des chansons du genre Tokoboma Baswahili, Tokoboma Tawando, Tokosala. Non. T'as vu la Rwandaise. Mais ça, c'est le Rwandaise. Ça, ce n'est pas les tribalistes. Boye, boye, boye. Ça, ce n'est pas. Là, on a dit non, Moussou Sujil Mounire. Il y a beaucoup de balobé à Panzara ici. Maintenant, avec ce qui s'était passé, Bah, Congolais, tous en Galato, des Nanabalouba. Et des voix qui tombent sur place, Fayoulou sur place, Madame Tampon. En train d'autoriser certaines histoires. Là, je n'autorise pas. Avec de telles personnes. Là, je n'autorise pas. Parce que tu n'as pas Congo à lobby. Mais moi, je n'ai pas suivi cette partie. Tu vas me l'amener comme ça. Je vais vous amener ça. Et on a tabassé des motards. C'est vrai. Par contre, on a un mouton moto, Mouloumba et Oyo. Frappe. C'est vrai. Mouloumba et Frappe. Est-ce que vous allez autoriser certaines personnes? Est-ce que vous êtes des journalistes d'investigation? Dans la position que vous avez déjà vu, de commandant de l'UDP en train de chanter, Tokoboma ba tribu ou Tokoboma. Ce qui n'a pas été donc voilà, je vais condamner. Ok, merci de condamner. Vous pouvez, messieurs les journalistes, je vais ajouter quelque chose. Oui, c'est ok. En fait, je demande l'attention de tous mes frères congolais. On s'encapère à cette loi. Lingala, surtout quand tu demandes au Congo, parle à Lingala. Oui, il y a loi où il y a Tchani, ils ont loi Oyo. Ils ont garanti l'intégrité territoriale en Bokanabiso. Bokanabiso est été menacé catégoriquement. Dis-le, ils ont été menacés. La récente arrestation de ces députés, d'abord les députés qui venaient d'être arrêtés récemment. L'autre là, le lit de Massissi dans le Nord Kivu. Ces députés-là, si nous poursuivons bien son identité, son identité serait doutée. Il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Il ne serait plus congolais, ces députés-là. Parce qu'aucun congolais avec un sens du patriotisme de faire ces histoires-là malfaisantes que ces députés auraient fait pour qu'ils soient arrêtés. En fait, on a aussi un gabarit de quoi, ils sont en Boka, de soutenir Loi Tchani. Tout ça, la pression dans le Parlement, balayer qu'ils aient Loi Tchani. Loi Tchani, ils ont garanti l'intégrité territoriale. Boka, ils sont menacés partout. Bah, étrangers, tout le monde veut venir en RDC. Tout le monde veut venir s'installer en RDC. Mais ils viennent avec quelle intention? C'est pourquoi il y a monnaie. Poste régalien, il faut pas les verrouiller. Ok, merci. Merci à moi, la CPA Kana, honorable Safari Bangira, s'il vous plaît. Honorable Safari Bangira, les lits de Massissi dans le Nord Kivu, Balobi, Massissi Balobi, Papa Ndeye, Balobi, Touro, Bakovototi, Namin. Donc, je ne sais pas, okay. Tu peux continuer comme son bouc. Est-ce que vous voyez que nous, on est là pour la présence de la République? C'est déjà la carte de la Banque Centrale. Et moi, je suis bien, moi. Ne pas être gouverneur de la Banque Centrale des Congolais des Pères et des Mères. Donc, combien plus forte raison que non, vraiment, le numéro 1 de la République. Bonjour, vous pouvez c'est mon tour, donc. Président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, vice-ministre. Vous pouvez c'est mon tour, vraiment. Et il y a certains Congolais. Bon, au moins, même pas de raison, c'est tenir Katoumbi. Vous voyez bien que non. C'est votre point de vue d'ailleurs, j'allais dire. Ok, merci pour vous de nous avoir suivis. Ça, c'était un débat qui portait sur nos trois thèmes. Entre autres, nous avons parlé de la loi Tchani, la marche de l'Alliance pour les changements, partie chère de Jean-Marc Kabounde. Et là, nous chitons encore avec le point de suspension de William. Pourquoi William est-il suspendu? Ok, c'est de la mauvaise foi et de la jalousie des incompétents, des gens qui n'ont pas donné les meilleurs à la jeunesse congolaise. Suspension, on a d'abord, William Camille. D'abord, c'est une suspension stérile, sans succès. Parce que Bonkoul n'a pas qualité de suspendre. William Kamila. Allez lire l'arrêté numéro 071 pour l'organisation du Conseil national de la jeunesse. Le président du Conseil national de la jeunesse est élu par l'ensemble des mouvements associatifs de la jeunesse congolaise. Il n'est pas nommé par un ministre,
Mais sauf les candidatures, on dépose une candidature au ministère de la Jeunesse. Mais il est élu et non, on ne l'a pas nommé. Mais avant, c'était quoi? Beaucoup là, nous qui n'attendons pas à suspendre William Kamila. On a vite compris que non. Parce qu'il a été humilié à l'hémicycle au palais du peuple. Oh. Oui. Balobi va suspendre mon Kamila parce que à chaque jeune ouana où il a posé le président de la République et que c'est des questions. Ce sont des. Non. C'est parmi les informations qui se disent. C'est la montée de la démocratie. Mon conjoint général sanctionné. Si vous êtes entouré par un entourage qui est solide, ton leadership aura que des applaudissements. Voilà. Et lorsque c'est quand nous constatons que chez Yves Bokoulou, il a catégoriquement échoué. Ça ne dit pas à Yves Bokoulou, ça dit à son entourage. Voilà. Donc, parce qu'on ne voit pas un chef, on voit juste son entourage. Parce qu'un chef ne s'entoure pas seul, il s'entoure avec son entourage. Mais là, je me suis contre toi. On voit le chef par son entourage parce que c'est le nom du chef qui prime. C'est le nom du chef qui peut mettre sur les plans théoriques. Sur les plans pratiques, le chef ne fait rien. C'est lui d'ailleurs le responsable. C'est à lui aussi de se rendre compte. Parce que,
Tu connais l'un des conseillers Yves Boukoul? Yves Boukoul, je ne connais pas. Ok, voilà la réponse à ta question. Ok, allez-y. Oh, oui, je disais qu'il s'entoure des personnes capables, des personnes compétentes, pour qu'il l'accompagne, pour qu'il réussisse, pour qu'il accompagne aussi les chefs de l'État à faire un succès durant ce quinquennat à la magistrature. En fait, j'aimerais un peu ajouter quelque chose, je ne maîtrise pas sur les sujets un peu personnalisés là. Mm-hmm. J'aimerais un peu parler trop vite là, que le sujet d'Amissi Maputane. Voilà. En fait, Amissi Maputane, nos frères de l'IDPS comprennent par les derrière. Nos frères de l'IDPS ne comprennent pas mal. Ici, il y a un livre qui a été écrit par Norbert Kabwe, Norbert Kabwe, c'est un directeur qui est dans la province du Kassai central. Il a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi est ici? Pourquoi est ici? C'est le livre de Norbert Kabwe, il est clair pour la Nili, il est un titre qui est dans le Congo, il est un jouissance légale. Il essaie juste de se satisfaire légalement. Amis n'était plus à trajet. Amis est là. Vraiment. Est-ce que tu as qui vient? Natalaki. Ok. Amis, merci. Merci Ndeko. Merci Ndeko. Voilà. Et on a le baka. Émission, c'est la beauté de que demande le peuple. Pour la projeter, peut-être que tu n'es pas d'ailleurs. Je voulais dire à mon frère, avant. Bon, nous allons le camp. Avant de venir dans un plateau, il faut s'informer. Vraiment. Il y a l'information. Parce que Bichon, on a un d'abord. Je suis parmi les jeunes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, votre mot de la fin comme ça pour vous. En fait, le mot de la fin, je demanderai à tous mes frères congolais qu'ils se mobilisent comme un seul homme dans ma Ponami au Zogoya, qu'ils accordent un second mandat à M. le président de la République parce qu'il a une vision. Sa vision, elle est spécifique. Qu'est-ce qui reste à Félix Tshisekedi à faire? Ce qui reste à Félix Tshisekedi, c'est d'accord enlever la souffrance que la population congolaise et victime depuis plusieurs années. Pendant ces années, pourquoi il ne l'a pas? Pendant ces années, il y avait nombreuses préoccupations que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, d'abord. Des œuvres palpables. Premièrement, Félix Tshisekedi a remis la RDC sur les rails, sur le plan international. On ne parlait pas de la République démocratique du Congo avant l'accession à la magistrature de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous avez suivi, même d'ailleurs, les journalistes, de nombreux députés européens qui parlent au nom de la RDC sans la présence d'un Congolais. Merci pour votre.
Merci pour votre intelligence. Je vous salue encore une fois de plus. Merci. Alors, de quoi votre mot de la fin? Le mot de la fin, nous avons un peu de mais le que je m'en appris, ce n'est pas Fatou, mais le gouvernement. C'est une crise mondiale. Le litre à carburant, aux États-Unis, c'est que des dollars. Ah, vous qui dites ici, bah, le transport n'a évité votre. Sans pourtant, beaucoup de temps, c'est donc, le carburant payé. Si nous avons que non, situation, je ne connais pas, il y a une situation mondiale. Il y a une situation mondiale, tout, j'ai la tête, côté de mes là-bas. Si on ne connaît pas, on a tout le monde. Parce que la ligne n'a pas causé la précision. Tant que le développement est les Qatar dans les États-Unis d'Amérique, pourquoi nous on ne copte pas ou on ne peut pas copier le développement? Sauf que quand tu as des souffrances sur le plan international, ils sont c'est parce que. Donc surtout, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de et Joseph Kabila. Mais le lot que je suis non, toujours. Je pense que tout ça, l'émission, je suis un peu plus de temps, la réalisation de tout ça. D'ailleurs, je comptais déjà te demander, on va faire une émission avec toi spéciale. Tu vas nous citer les œuvres réalisées par le chef de l'État. Oui. Okay. Et nous allons faire l'étude comparative avec l'état où Félix, Joseph Kabila a laissé les Congo et l'état où Félix a mené le pays. Le pays. Ok, merci. Tu veux t'arrêter à la fin? Oui, merci. Merci. On peut donner le numéro de téléphone? C'est un réel plaisir pour moi de recevoir dans ce plateau ton soldat, entre autres les deux invités, pour partager autour de nos trois sujets aux alliés pour l'actualité à Mokanabiso. Partagez, abonnez-vous massivement sur Réaco News. Tous alliés, Ponabino, vos remarques, c'est ça qui va me faire énormément de bien. Je salue la présence de messieurs Vicky, les grands frères Vicky, avec la maison La Grâce et Sika pour vos alliés. Je vous salue de partout là où vous êtes. Nous sommes là pour vous et vous si vous êtes là pour nous, abonnez-vous massivement, partagez l'émission. Au revoir. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.